Bonjour, Sylvain Bois, responsable du service des collections au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Alors, nous présentons actuellement au musée une exposition événement autour du clavecin du musée qui a fait l'objet d'une enquête scientifique et d'une mise en valeur après des travaux de restauration qui se sont étalés sur plusieurs années. Donc, le clavecin du musée, c'est une pièce d'exception. Qui est composé d'une table d'harmonie décorée façon flamande, dans la tradition anversoise, avec un décor façon de Chine qui est remarquable, composé de couleurs vermillon rouge, avec des éléments dorés et sur un fond de laque noir carbone, posé sur un remarquable piétement également, qui est en bois sculpté et doré, dans le style Régence tardive, Louis XV. Alors, ce clavecin, entré dans les collections en 1890, faisait partie d'un ensemble de pièces composant une collection d'art décoratif, au même titre que des céramiques qui sont présentes dans les collections, des médailles, des émaux, des ivoires, et qui sont rentrées dans les collections pour être présentées au public et inspirer les dessinateur qui se destinait à la fabrique des rubans à Saint-Étienne ou des graveurs qui pouvaient travailler dans l'industrie de l'armement. Et nous invitons vraiment les muséomixeurs à s'approprier l'iconographie présente sur ces collections pour développer des projets et aller à la rencontre des publics d'aujourd'hui pour valoriser les biens qui sont présentés ici dans ce musée.